discuter un petit peu de papa. Du coup, ensuite, on est reparti. Et en fait, dans ma tête, j'étais persuadée qu'il était 10h30. En fait, il était à peine 10h. Du coup, on a fait un petit détour par Kiabi. J'espérais me trouver un beau maillot de bain pour aller au spa. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Je me trouve ridicule dans tous les maillots de bain, donc ça ne sert à rien. Je vais mettre celui que j'avais pris pour aller à la piscine avec Adam. Par contre, je me suis trouvé des baskets. Enfin, parce que mes New Balance, elles sont défoncées, j'ai défoncé. Et là, j'avais pas trop le budget pour en acheter, enfin pour me racheter des New Balance. Donc du coup, je suis allée chez Kiabi, j'ai trouvé des baskets à 12 euros. Toutes simples, blanches, vraiment simples, mais très belles. Enfin, ouais. En tout cas, à mon goût. Je me suis trouvé des sous-vêtements. Je me suis racheté des chaussettes parce que j'en avais besoin. Des débardeurs blancs. Alors, petite astuce, moi j'ai pas mal de vêtements qui sont transparents et j'aime pas qu'on voit à travers mes vêtements, donc je porte des débardeurs en dessous. Et chez Kiabi, les débardeurs sont à 2 euros. Donc n'hésitez pas. Moi j'en achète pas mal. Donc là, j'en avais acheté 3, je crois, la dernière fois, ou 2, je sais plus. Là j'en ai repris 2. Donc je suis bien contente. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre chez Kiabi ? Je sais pas, après des petits bijoux, accessoires, des élastiques. Moi, je me suis trouvé des boucles d'oreilles. Elsa aussi s'est trouvé des boucles d'oreilles. Alors, pendant qu'on est allé chez Kiabi, on a fait version express, mais quand même. Du coup, les gars, ils ont attendu dans la voiture. Un sac à main. Pour les remercier. Ah oui, je me suis trouvé un petit sac bandolière correct à proprement parler. Et encore une fois pour 12 euros, donc vraiment Kiabi c'est top. Après voilà, je sais pas combien de temps il me durera, mais en tout cas pour l'instant il est en bon état. Donc, voilà. Et donc du coup j'ai fait un petit cadeau aux garçons parce qu'ils ont vraiment été super sages d'avoir attendu dans la voiture autant de temps. Je pense qu'ils ont dû attendre 20 minutes quand même, et pour eux ça a dû être super long. Non, parce qu'on a vraiment on s'est dépêché dans le magasin, donc c'est sûr que ça a pas pris plus de 20 minutes. Mais du coup voilà, pour les remercier, du coup Adam et Marceau ont pris pour leur chambre un tapis voiture, puisque ça faisait un moment qu'ils m'en demandaient un. Un tapis pour faire rouler les voitures, voilà. Et puis comme c'est pris un petit Transformers, et puis on a trouvé chez Chaussea, Elsa s'est trouvé une paire de ballerines, je vous la montrerai en rentrant, qui était à 14,95 moins 70%. Alors moi ça me va, mais clairement, parce que du coup on a payé les chaussures 4,41 les chaussures, et on a pris 4 petits vernis à 1 euro, donc ça fait 8,41 c'est ce que j'ai payé à la caisse. Donc tes ballerines, je les ai payées 4,41, donc je suis ravie. Voilà, combien de temps elles vont durer avec Elsa, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je ne les ai pas payés cher. Bon, moi, perso, je trouve que c'est un peu vieillot le style. Mais je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous montrer tout ça en rentrant. Et puis, il faut que je m'active aussi parce que du coup, je dois partir dans 1h15. Donc vraiment, bon, au plus tard dans 1h30. Mais vraiment pas, il ne faudrait pas que ce soit plus tard que ça. Donc voilà. On se revoit tout de suite parce qu'on est bientôt arrivé là. Je vais me garer et je vous reprends. À tout à l'heure. Bon, c'est bon, nous sommes rentrés. Alors, je vous montre vite fait. Ne regardez pas le bordel autour, hein, c'est pas nécessaire. Je vous montre vite fait. Du coup, je me suis trouvé des sous-vêtements, donc un ensemble. J'ai pris des chaussettes. Alors, les chaussures de vieille d'Elsa. Elles sont trop belles. Bah ouais, mais moi j'aime pas trop. Mais après, voilà, ça te plaît. En plus, je les ai payées que 4,50€, donc ça me va bien. Je te les remets dans la boîte. Tu les ouais. Du coup, on a acheté des petites pinces. Alors, moi, je vais prendre la noire et Elsa va prendre la rose gold. Puisque c'est elle est trop belle, la rose. En fait, au spa, il va falloir que je m'attache les cheveux. Donc, voilà, ça, c'est le sac à main que je me suis trouvé. Donc, moi, je le trouve vraiment très joli. Voilà, avec les petites chaînes sur le côté. Il est sympa et en plus, je pense que dedans, je vais pouvoir ranger mon porte-enfin, je suis pas sûre. En fait. Je vais changer mon portefeuille. Oui, ce serait peut-être mieux que t'enlèves ton manteau à un moment. Voici ces débardeurs. Les débardeurs que je paye 2 euros chez Kiabi. Donc, ils sont tout simples, hein, mais du coup, ça permet de ne pas voir les sous-vêtements par transparence. Ouais. Les petites baskets que
que j'ai pris, je n'en reviens pas, j'ai pris du 37. Je n'achète jamais de chaussures en 37. Normalement, le 37, je nage dedans. Là, elles étaient, comme j'avais pas de chaussettes, elles étaient bien pieds nus. Donc, je pense qu'avec des chaussettes, elles seront parfaites. Alors, j'ai deux paires de lacets. Je ne sais pas encore trop lesquelles je vais utiliser. Moi, j'aurais bien mis les blancs satin. Je vais voir. Bah, ou les deux. Je vais voir. Non, je ne vais pas laisser les deux. Ça fait charger. En tout cas, j'aime beaucoup. Et puis, ça m'arrange parce que... ou une de chaque. Nous avons trouvé chez Chaussée des petits vernis à 1 euro. Voilà les couleurs qu'on a pris. Donc moi, j'en ai pris un. C'est pas vraiment nude, mais j'aimais bien la couleur. Elsa, elle a pris un argent et un bronze. Ouais. Et moi, j'ai pris un rouge. Voilà. Donc, on va essayer tout ça. Oui, on ne vous a pas montré les boucles d'oreilles d'Elsa. Montre-les bien. Il y en a Attends, enlève tes mains qu'on puisse faire le focus. Il y en a des noix. Non, il n'y a pas de focus. Et des diamants. Bon, je pense que vous voyez quand même, hein, même si l'image n'est pas super nette. Voilà. Donc, elle a pris deux petites paires d'anneaux et puis des petits diamants. Ouais. Voilà. Jamais. Donc là, on est très, très à la bourre. Moi, il faut absolument que j'aille me laver les cheveux. Donc, autant vous dire que ça craint du boudin. Puisqu'il faut que je fasse le shampoing, le soin, le brushing, le spray. Et que je m'habille. Du coup, je vais mettre mes nouvelles baskets. Que je me maquille. Que je prépare mes affaires. Puisque j'ai pas mal de choses à emmener pour cet après-midi. Et que, techniquement, je fasse un peu de ménage. Sauf que le ménage, je pense que je n'aurai pas le temps. Donc, ça m'embête vraiment pour Héloïse qui va passer la journée ici. C'est vraiment pas cool. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Je suis vraiment trop dans l'esprit. Donc, en fait, on n'aurait peut-être pas dû aller chez Kiabi. On a perdu du temps et voilà, maintenant c'est fait, c'est trop tard. Donc, écoutez, je ne sais pas si je vous reprendrai plus tard. Si ce n'est pas le cas, je ferai peut-être un vlog avec juste le peu que j'ai filmé jusque-là. Mais... en tout cas, je suis très enthousiaste à l'idée de faire cette journée. Donc, y aura-t-il une suite? Vous le verrez. Bon, les amis, coucou! On est dimanche! Je vous reprends que aujourd'hui parce que, comme je l'avais prévu, je n'ai pas vlogué hier. Je m'en doutais, hein, j'en avais parlé déjà. Je le savais, en fait, on était quand même assez nombreuses, pardon. On était 7, donc c'était difficile voilà, de tomber sur 7 personnes qui acceptaient donc, sur les réseaux sociaux. Très bien. Du coup, fais voir. Oh là là, Elsa s'est fait un bun, montre. Wow. Elle a récupéré la chaussette trouée de son frère et du coup, elle a fait un bun avec. Bref, du coup, voilà, on était 7 hier et donc c'était délicat. Il y avait sa fille ado, la fille de ma copine Caro qui était là aussi. Donc, j'ai préféré ne pas filmer. Enfin, on a filmé, on a pris des photos, mais du coup, ça reste de l'ordre du privé. Voilà. Donc, on a passé une super journée, vraiment. On est allé au spa, ensuite on a fait une séance de conseils en images. Donc ça se passait dans un showroom vestimentaire qui a été installé, alors c'est une boutique à proprement parler, qui a été installée dans un appartement. Et en fait, la propriétaire des lieux est effectivement conseillère en images. Et du coup, franchement, c'était trop top. trop top. Et c'était génial. En plus, je pense que j'ai été sa muse, hein, vu la morphologie que j'ai. Du coup, j'étais un bon cobaye pour montrer un petit peu ce qu'elle savait faire et franchement, mais trop trop bien. Elle m'a fait découvrir des trucs, des couleurs, des motifs, des coupes, franchement, juste au top, quoi. Donc je suis vraiment ravie de cette journée. Je remercie énormément Caro, enfin c'est pas Caro en fait, c'est sa sœur qui a organisé tout ça et c'était vraiment super. Donc aujourd'hui, bien nous sommes dimanche, donc nous sommes allés à l'église ce matin. Nous avons passé une très très bonne matinée avec pas mal d'émotions, mais très bonne matinée. Non, tu ranges la fleur s'il te plaît. Est-ce que tu es bien ? Bah non. Et donc là on s'apprête à manger, hein. Il est 13h38, on rentre jamais de bonne heure de l'église de toute façon. Parce qu'en fait, on finit à 11h30, mais on discute avec tout le monde. Et du coup, on a après une demi-heure pour rentrer. Forcément, on perd du temps. Donc voilà. Donc là, on va se mettre à table. Ensuite, on va faire une après-midi repos. Parce qu'on est tous... hein? Pourquoi télé? T'as dit qu'on n'était pas obligé de...
dernière, mais si on n'arrivait pas, on pouvait... Ah oui, alors moi, j'aimerais bien aller faire une sieste avec Marceau. Du coup, bah, les grands, je pense que je vais laisser regarder la télé un petit peu. Le dimanche, en général, on ne met pas la télé. Mais... Alors, Marceau s'est fait mal ou quoi, là? Je pense... Voilà, ça chahute, et il y a toujours des coups qui partent. Je ne sais pas oui, si... Oui, Adèle était dessus. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'occuper d'eux parce que je pense que c'est pour ça qu'ils sont agités, parce que je suis avec vous. Donc, bah, je vais vous souhaiter une belle après-midi et soirée, bonne fin de semaine. Et puis, bah, on se retrouve mardi pour le vlog de demain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite.